Merci parce que vous choisissez Télévision Pacifique pour informer vous. Bienvenue dans l'édition Nouvelle ça, mais quelques points à bien pour nous développer pour vous pendant un journal là. Commission spéciale dans la Chambre des députés rencontrée hier mercredi à président Fédération Kazakh à Kazakhio, dans le cadre de la consultation a fait sous projet si là. Il y a local qui déclare satisfait des rencontres si là, dit espérer réforme constitution va renforcer collectivité territoriale surtout dans l'application article 422 acte 217 constitution. Concernant formation KIPA et la préparation budget République, l'activité est toujours paralysée dans la faculté ethnologie depuis 12 juin passé. Étudiants ont demandé responsables prendre disposition pour permettre l'activité capable de reprendre. Après Conseil sécurité l'ONU, c'est l'Assemblée générale là qui condamnait décision États-Unis prend pour reconnaître Jérusalem comme capitale du pays Israël. Ça fait Donald Trump mauvais en pile. Mesdames et messieurs, c'est branché Télé Pacifique, Titiwa Campidote pour le développer tout de suite. Bienvenue mesdames et messieurs dans développement journal là, j'ai annoncé dans titre commission spéciale la Chambre des députés pour amendement constitution rencontré hier mercredi à président Fédération nationale Kazakh ak Azekyo dans cadre de discussion qu'a faite avec divers secteurs sous projet a président commission Jerry Tardieu qui remercie Elisa Ho fait connaître réforme constitution de permettre collectivité territoriale travail ensemble député Tardieu promet une fois encore la soumettre un premier rapport by assemblée en date 29 mars 2018 occasion 31e anniversaire constitution déclaration de la Mico et de l'environnement la Cafrancinius. Gros rendez-vous c'est 29 mars 2018 constitution pour 31 ans et c'est dans date ça que commission pour remettre un premier rapport avant que le fond tournée nationale de validation justement auprès des communes pour nous descendre à terre pour que recommandation rapport les marier avec sa pays a dit nous n'est pas seulement connecté avec ça nous même nous penser en la chambre des députés pour que gagne des acquis dans la constitution que nous conserver acquis ça qui ça yoyé naturellement décentralisation pouvoir pour la collectivité pour faire développement à travers pouvoir local nous connaissons ensemble de problèmes de cohabitation entre les magistrats bon, d'ailleurs dans cartel magistrat eux même dans la réunion que nous faisons, nous voyons que nous avons des difficultés de cohabitation. Même là, ils sont dans la même partie. Donc, c'est une première donnée. Deuxième problème qui gagne, il y a des problèmes de cohabitation entre députés avec magistrats. Il y a des problèmes, on est capable de dire, de collaboration entre Azek-Kazek avec magistrats. Ça veut dire qu'en quelque part, même si la constitution n'est pas nous ensemble de dispositions pour nous capables de suivre, pour nous construire un développement, un progrès social à partir d'une décentralisation, nous connaissons que Pigou et Foua, c'est nous-mêmes comme société qui avons obligé de faire. Président Fédération nationale Kazakh d'Haïti, Paul Andris, a les décisions que la commission prend pour inviter une rencontre là sous projet amendement en constitution d'après responsable FENACA. Initiative ça a permettre Eli Localio ba l'idée sous question passée, mais qui vient pour faire dans le moment loi pays d'Haïti en suivre déclaration. Journée aujourd'hui a opportunité que la commission offre nous pour que nous venions faire passer point de vue nous faire nous ressentir ou discuter qui ça qui recommandation nous gagnait et qui remarque nous fait sur constitution qui était fait amender et qui remarque nous fait sur constitution 87 là et qui recommandation tout et nous même nous soumettre by commission yon ti réflexion qui poko vraiment suffisante par rapport nous pral continuer travail pour que nous remettre un de mémoire qui capable utile nation parce que nous gain expérience et nous capable et discuter et pour peuple là comme nous ses représentants et nous même tout son question des collectivités c'est pas question d'un seul homme et nous dit que peuple là nous pral tourner rejoindre yo nous pral rejoindre Kazakh dans tout pays pour que yo même nous gagnons un document qui reflétait tout ça, vous voulez dire. Et si nous avons dit non, tant que Kazakh a demandé par rapport à la différence qui existait entre mairie avec section communale, je vous dis, ça Kazakh a obtenu et sa section communale a obtenu. C'est tout le monde qui a supposé magistrat. N'a toujours été dans la chambre des députés à côté de un groupe 5 députés, dans un groupe minoritaire dans le Parlement, parmi eux Jean-Robert Bossé, qui voyait une correspondance à la président sénat haïtien, Yuri La Tortue, pour demander la camper sous démarche à la fête pour mettre camper conseil électoral permanent. D'après député Bossé, moment pas favorable pour l'autorité, prend une décision comme ça en suivant la déclaration.
Nous dit président Assemblée nationale là politiquement et constitutionnellement li pas de mise aujourd'hui hein, pour nous pencher sous question formation conseil électoral permanent pour des raisons bien simples. Tout d'abord par rapport à déclaration que monsieur Jovenel fait à l'étranger pour dire que les gens monde dans tout compartiment appareil justice là et sa majorité au parlement haïtien les il bloqué question recours que yo te fait rapport sur question pétro-caribéen il dit parce que le web a sa vin tout droit sous lui donc li campel il dit Dieu merci les gens monde dans système dans tout dans l'appareil justice parce que grand rapport qui préparé dans par commission d'enquête spéciale dans Sénat qui peut quand même voter et puis quand un petit juge qui courir dit voyer le ban moins je dis grâce à Dieu nous camper ça donc bagay ça mettez en évidence c'est très clair fait nous ouais si dans une atmosphère de confusion totale nous rentrer tête baissée dans formation de conseil électoral parce que monsieur Jovenel Bral mandé Bral à travers des juges 50 juges minimum corrompus qu'elle voter dans le système dans librement de yo à travers yo même pour mettre pression pour conseil pour CSPJ voyer trois membres qui n'engoule. L'autre nouvelle, l'activité yo a toujours paralysé dans la faculté de technologie depuis l'incident 12 juin en passé. Côté étudiant Jean-Roch Kagougeder a été blessé, il y a un agent privé qui a assuré sécurité bâtiment. Côté étudiant yo pas qu'à rentrer. Étudiant sa yo mandé rectorat pour non sel sous dossier pour capable permettre l'activité yo reprendre dans un niveau faculté de technologie. Mario Sylvain a présenté non yo papier avec image à David Mercius. Depuis l'incident 12 juin 2017 là, côté étudiant John Wogog d'Argent est sorti blessé grave, situation faculté technologie yon entité dans l'université l'État a pas suspend détérioré. Kakas machine qui était boulé dans mois géant toujours été sous la cou faculté ya pendant poussière presque fin rempli salle avec divers matériels yo. Koyo toujours pas jamais reprendre dans institution ça, côté étudiant yo pas gain accès pour entrer depuis quelque temps. Yon lot incident qui produit en dan bâtiment t'a semblé à la base renforcement dispositif sécurité yo aux alentours faculté ya. Sa pa gen yon semaine, individu moun pa rive identifié entre nan espace la, rache porte kek bureau et puis kraser matériel institution an, sa ki te occasionné présence juge de paix nan espace la pour constater dégâts yo. Membre rectorat université l'état yo toujours plongé dans yon gros silence sous dossier ça côté étudiant qui fatigué rete la kayo continue à demander pour activité académique yo reprendre. Moment arrivé mesdames et messieurs pour nous prendre pause dans journal arrêté branché télé pacifique qu'on a tenu tout de suite. Bienvenue mesdames et messieurs dans deuxième partie journal là j'ai annoncé l'intitulé après conseil sécurité à l'Assemblée générale Nations Unies qui condamné décision États-Unis prend pour reconnaître Jérusalem comme capitale à pays Israël ça fait Donald Trump a mauvais en pile Donald Trump a fait menace à Soulouni côté il dit il pas d'accord pour pays membre Nations Unies a prend plusieurs centaines de milliards de dollars sous États-Unis et puis pour y a pas voté contre Washington en suivant un reportage à Euronews. Après le Conseil de sécurité, c'est au tour de l'Assemblée générale de l'ONU de voter une résolution qui condamne la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et la Maison-Blanche ne l'entend pas de cette oreille. Donald Trump s'est fait menaçant contre ceux qui adopteront le texte. Ils prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars et ensuite ils votent contre nous. Nous les surveillons, laissez-les voter contre nous, nous économiserons beaucoup. En début de semaine, le Conseil de sécurité a approuvé la condamnation de la décision de Trump. Les États-Unis, isolés, ont dû faire usage de leur droit de veto de membres permanents pour empêcher la résolution de passer. L'ambassadrice américaine Nikki Haley avait vivement réagi, déclarant que ce vote était une insulte. Et sur Twitter, Trump avait déjà déclaré qu'il prendrait les noms de ceux qui voteraient en faveur de la condamnation ce jeudi à l'ONU. Les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en annonçant le déménagement prochain de son ambassade de Tel Aviv dans la ville sainte. Une annonce qui a suscité la colère des Palestiniens, mais qui pour l'heure n'a pas déclenché l'intifada souhaitée par le Hamas. Mesdames, messieurs, c'est là que mettez bout dans le journal pour aujourd'hui. Merci à vous même qui êtes branché Télévision Pacifique pour informer. Ou moins, vite, vous êtes branché sur chaîne 54 pour capable suivre la reste programmation.